Bonjour, chers scorpions, bienvenue sur votre tirage de vie sentimentale pour le mois d'avril 2021. Alors, vie sentimentale, comme vous le savez, c'est aussi donc la vie avec le cercle familial ou le cercle amical, mais principalement pour la vie amoureuse. Alors, ça peut être quelqu'un, effectivement, que vous avez en tête, que vous avez dans votre cœur, en projet de à qui vous voulez faire une déclaration. Voilà, donc vous avez compris, je ne vais pas plus loin. Donc, vous avez vu sur le tirage la première carte qui est celle-ci, c'est la carte d'ambiance que je vais mettre ici. Et je vais vous expliquer juste après avoir vous avoir donné donc l'explication de la structure du tirage. Ici, c'est la vie, c'est la situation actuelle. Ici sont les obstacles ou l'obstacle. Ici, c'est l'évolution. Et la dernière carte, ça concerne le conseil par rapport au tirage. Donc, je reviens sur la carte de l'ambiance. C'est la tour. Et cette carte de la tour, comme vous le voyez, c'est des choses qui s'écroulent. La tour, c'est quelque chose qui s'écroule. C'est une transformation qui est radicale, ça veut dire qu'une situation est arrivée au bout de son évolution et qu'elle a besoin maintenant d'une grande transformation, ou en tout cas, je dis grande parce que c'est, en général, c'est de l'ordre de quelque chose de radical et d'un bouleversement, quelque chose qu'on n'a pas forcément consciemment prévu et organisé et qui arrive parce que on sent que de toute façon il faut changer quelque chose, ou alors si on ne le sent pas, c'est la vie qui bouscule quelque chose dans notre vie, dans notre quotidien, et qu'on est obligé donc d'assumer et d'assurer avec responsabilité. Donc voilà pour cette carte. Ensuite, sur la situation actuelle, eh bien, on confirme en fait cette situation de bouleversement, d'écroulement, de changement radical, puisque on a la carte de 22 de l'errant qui est renversée et qui est avec la carte de la modeste qui est aussi renversée. Et ces deux cartes nous parlent d'une situation qui est inconfortable, qui est bon, qui peut être bouleversante, certes, qui fait état d'une situation où on se sent impuissant, vulnérable, qu'on a la volonté de s'éloigner, de se séparer, de transformer une situation qui est insupportable. Alors, soit parce que le lien en question était, c'est comme s'il y avait un attachement, un ligotement, et on a besoin de se libérer. Et donc, parce que dans ce lien en question, on se sentait plutôt en insécurité. C'est maintenant un changement qui est mal vécu. Parce qu'il y avait déjà des choses qui étaient, qui manquaient d'intégrité, qui manquaient de stabilité, qui manquaient de vérité, qui procuraient peut-être de la peur, des craintes. En tout cas, on n'était pas bien dans sa peau. Et c'est lié aussi à une situation où on se préserve, on n'entre pas en relation avec l'autre personne parce que justement il y a ce manque de sécurité vis-à-vis de cette personne, parce qu'on ne sait pas comment envisager la relation, comment envisager l'échange, le partage.
Et donc, il y a une volonté en fait, de se protéger. C'est une façon de se protéger. Peut-être qu'il y a de la part de cette personne une volonté de ne pas échanger, de ne pas partager, parce que je parle à partir de vous, mais ça peut très bien concerner l'autre personne, en fait, parce que quand les énergies, vous savez, ça fluctue, hein, ce n'est pas stable, donc ça peut très bien venir de l'autre personne, où l'on constate ce genre d'attitude, de comportement, d'état d'esprit. Donc il peut y avoir aussi soit de l'un, soit de l'autre, une volonté de prendre de la distance, peut-être avec mépris, ou alors quelqu'un qui se comporte de manière passive. Voilà, donc je vais pas plus loin sur ce point, mais je pense que vous avez compris ce qui se passe sur la situation actuelle avec les explications que je viens de vous donner. Et je vais donc sur le point suivant, donc qui concerne les obstacles et les épreuves, ou alors quelque chose qu'il y a à développer. Et je pense que là, c'est plutôt de l'ordre de quelque chose qui fait obstacle. Et avec l'éperdu qui est renversé et la carte des jumelles qui est à l'endroit. Alors, pour moi, ça parle de désir d'engagement. Alors, d'engagement soit fraternel, soit amoureux. Mais il y a une grande sensibilité, une grande lucidité, une grande compréhension de la situation. Néanmoins, ça n'empêche pas que, donc c'est sur le point du blocage ou des blocages ou de l'épreuve, et donc ça n'empêche pas qu'il y ait quelque chose justement qui sépare, qui éloigne, qui bloque. Et malgré cette grande compréhension, il y a un problème dans le lien qui la rend insécure, qui la rend qui perturbe en fait, quelque chose d'anormal. Alors, ça peut être, parce qu'en fait, je fais le lien avec le côté fraternel et le côté amoureux. Alors, ça me donne le sentiment qu'il y a justement ce côté, cet aspect fraternel. Alors, peut-être véridique, fraternel, au point de vue familial. Donc voilà, mais en même temps, c'est comme s'il y avait des sentiments amoureux pour cette même personne. Donc effectivement, ça bloque. Alors soit, je répète, soit c'est de votre côté, soit c'est de l'autre côté, de l'autre personne, effectivement, c'est un lien qui est anormal et qui perturbe et qui est forcément gênant, troublant même, bouleversant, surtout s'il y a, avec la carte de la tour qui est à l'endroit et donc elle est dans son sens le plus défavorable et qui demande, qui indique qu'il y a quelque chose de radical à transformer dans cette relation, qu'il faut soit s'en séparer, soit donc l'annuler radicalement, ou alors chercher à arranger les choses en parlant, en discutant, pour faire prendre raison, pour faire prendre conscience que ce lien n'est pas souhaitable. Et ça, c'est par toutes les cartes que je viens de vous expliquer ici. Et notamment par la première carte, justement, la carte d'ambiance pour ce mois d'avril. Alors, sur le point de l'évolution, on a la carte de la gardienne, la 13, et la carte temporelle du futur.
Alors, il y a effectivement des secrets, des non-dits qui perturbent le lien, la relation. Et on nous dit qu'il va y avoir, donc puisqu'il y a la carte temporelle du futur, qu'il va y avoir donc une destruction, pareil que la carte de l'ambiance, qu'il va y avoir, en tout cas que c'est très souhaitable qu'il y ait une destruction de la situation actuelle telle qu'elle est, dans le type de lien pour l'avenir. Alors comment? C'est moi qui pose la question là maintenant parce que je me pose la question de comment cette situation va évoluer et j'ai envie de tirer une autre carte pour savoir si donc on va nous donner une explication complémentaire qui va nous permettre de comprendre l'évolution de manière plus claire. Donc, c'est ce que je demande. Hein. Voilà. Je coupe et je prends la première carte que je vais retourner maintenant. Et c'est la carte de l'angelot. Alors, la carte de l'angelot qui est venue donc à l'envers. Et la carte de l'angelot, quand elle vient à l'envers, hein, je vous la remontre. Hein, voilà. La carte de l'angelot nous parle de fin d'une situation possible, mais qui est mal vécue. Et en tout cas, vous voyez, on revient toujours dans l'idée de deuil, parce que c'est aussi, elle représente le deuil. Donc la fin d'une situation qui est souhaitable. Et apparemment, ça va se faire. On ne nous dit pas comment exactement, mais en tout cas. Il y a une validation sur la fin de cette situation qui est dérangeante, qui n'est pas souhaitable telle qu'elle est et qui demande à être détruite pour s'améliorer pour s'améliorer et avoir quelque chose de plus juste, de plus agréable. Qui va permettre donc une ouverture fraternelle, mais juste. Qui va pas être perturbante. Alors maintenant, j'ai envie de voir la carte. La carte conseil, et la carte conseil, c'est la carte de la spirale des manifestations. C'est la carte 18, celle-ci. Alors, cette carte spirale des manifestations, en fait, elle nous dit que quelque chose. Alors, c'est un peu du même ordre. Du même ordre de la carte de la tour, avec des termes beaucoup plus approfondis de manière spirituelle, mais on parle de la même chose, c'est-à-dire de transformation et de quelque chose de meilleur qui arrive, qui est en chemin. C'est quelque chose qui vient vers vous. Et qui vous indique que vous pouvez aussi vous agir par vous-même en plutôt que de choisir le chemin que tout le monde emprunte, eh bien, puisque vous en avez conscience, que vous parce que bon, ça vous perturbe, etc. Vous trouvez que évidemment, vous avez bien conscience que c'est pas normal.
Donc, on vous dit que vous pouvez changer de route, vous pouvez prendre un virage. Il n'y a personne qui vous empêche d'emprunter un nouveau chemin en gardant confiance en vous et en tenant compte des synchronicités qui vont se mettre en place pour vous dès que vous en aurez accepté la possibilité et surtout de garder bien en vous, de rester bien concentré en fait sur le moment présent. Voilà. Voilà ce que j'avais à transmettre par rapport à votre jeu, à votre analyse, cher Scorpion. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir!